s'arrêter, on va regarder si je retrouve. Qu'est-ce que je peux faire avec cette clé là? Ça c'est nul, j'en veux pas. Un peu de fromage, tiens, j'ai voulu du fromage. Ok. Et du coup, je vois quand même pas qu'est-ce que je peux faire avec cette clé. La viande de porc, j'en ai, je crois. Non, j'en ai plus. Non. Nous devons partir, mais où est ma fille? Eh oui. Là, vous êtes partie, ça y est, très bien. Vous avez constaté le mal que vous avez fait, je ne vous laisserai aucun plaisir à Dieu. Ah, désolé, hein. Je sais pas à quoi cette clé sert. Que ce soit derrière là? Non. Non, bon, bah. Tant pis. Sortons d'ici. Ouais. Alors. J'ai récupéré du porc. Il manque quoi? Il manque que du sel, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah tant pis. On va bouffer. Alors, tiens, du fromage. Du rat. Ouais. Ah si, du cochon me restait. Ah bah peut-être pas en fait le fromage ici, 28. Si, on peut en prendre un. Allez. Et on paye. On se repose. Alors, on va récupérer ça déjà, puis après. Un jour 3 heures, ouais. Recruter un mec en plus, peut-être pas tout de suite. La forge, par contre, on peut faire des dingueries, je pense. Hein. Réparer, ouais. D'abord, on va regarder dans les points de connaissance, on peut faire un truc sympa alors. Concrètement là, le petit poignard là, je peux pas le construire, merde, j'ai pas assez. Ouais, en fait j'ai pas assez d'équipement. Ou alors, non, j'ai pas assez non plus, et ça, j'ai pas assez non plus, et ça, ah ça je pourrais le faire. Et ça rajoute pas des masses par rapport à ce que j'ai déjà. Non, il vaut mieux prendre un... ou alors un truc de bouffe. Cœur grillé. Il faut du sel de toute façon. Mais de la bouffe j'en ai en fait, non, de la bouffe j'en ai plein, ça sert à rien. Ça sert à rien à faire des trucs utiles. Peut-être ça, frugalité, réduire de 10% ce que je dois leur payer par mois. En vrai, ça serait pas mal, hein, parce que pour le coup, la vitesse sur les rotations. Cannibalisme. Petite frugalité là. Moins 10% de solde, ça fera toujours du bien. Et on verra pour la forge plus tard. Hein. Allez, on va faire ça. Eh ben, gain immédiat de 2 points de connaissance. Mais très bien, parfait. Alors, pourquoi est-ce que j'ai gagné? Parce que c'est dans les voies. Dans les voies. C'est lequel que j'ai fait, là? Mission, commerce et richesse, crime et chaos? Non, bah, je sais pas. Si, c'est ça. Savant électrique, connaissance apprise dans au moins 3 catégories du compendium différentes. Gain immédiat de 2 points. Excellent. Excellent, merci. Merci le jeu, tombe bien. La forge là. Qu'est-ce qu'on va se prendre du coup? Ah, ça change tout. Hein. Ça change tout.
Une épée à la place du vieux gourdin, ça serait pas mal, hein. Bon, toujours de minerai, mais... Et ça serait pas mal. Une petite dague aussi pour taper plus fort. Ça, c'était l'armure lourde, l'armure moyenne. Ouais, elle est bien aussi. 24 d'armure. Bon, on va prendre ça. On va prendre ça. Et je pense qu'on va prendre l'épée aussi là, pour plus tard. Voilà. Très bien. Et en plus, je pourrais encore prendre ça en vrai. Je vais le faire. Hein. Je vais le faire. Rapport militaire. Hein. En vrai. Les saucisses de loup. Ou des carpes. Et ça ferait combien? 6? Il faut plus de. Faudra un peu de sel là, dessus. Ou alors on fait les fontes. Hein. Transport plus 10. Ouais, c'est pas vraiment encore critique. Le rationnement, la troupe mange un de moins par jour, c'est pas ouf. Vitesse de déplacement pour la gloire. Gain d'influence, entraînement, lesté, orientation. Non, bah, je crois qu'on va aller. Ça c'est pour recruter. Vitesse de déplacement sur les chemins. Ça paraît bien. Ça paraît bien. On va faire ça. Oui. Monsieur le forgeron, il faudrait réparer ce bazar, hein, parce que voilà. Ok. On va vendre ça, du coup. J'ai toujours c'est-à-dire ce truc-là à récupérer, hein, compte rendu de la traque, toujours pas fait. Toujours pas fait, mais il me faut de la thune en fait, hein, surtout ça, hein, c'est bien compliqué la thune. Hein. C'est bien compliqué la thune. Repère du bandit, déserteur. Rendez-vous à la taverne de Mernem pour rencontrer des compagnons. Ouais, super. Hein. Très bonne idée. Très très bonne idée. Ouais. Et ben, on va aller chercher. On va aller chercher les soldats. Hein. Allez, go. Chercher de la thune. Toujours encore. C'est parti. On va aller dans la montagne. Oh, il y a des méchants là. Comme bûcheron. On va peut-être voler un peu. On peut peut-être voler un peu par ici. Bonjour. Mon seul rôle est de donner les paysans de Tiltren qui viennent perturber le travail de nos bûcherons. Veuillez me croire, ils sont aussi nombreux que les arbres par ici. Ah bon? Même dans cet endroit perdu en pleine forêt, les gens de Tiltren trouvent le moyen de nous importuner. Pas moyen de couper du bois tranquille, ensuite je suis compté. Ah ouais, mais en même temps. En même temps, les gars, ouais, du bois. Du bois, quoi. Du bois, finalement. J'en veux pas de bois. Eh bah, tant pis, y'a rien à voler. Ah. Ah. Vidwim le petit, des soudards, des pillards. Ouais, il est chaud, peu pourri cet emplacement-là. Alors, Vilco. Forge. Il joue quand lui? Il peut taper celui-là. J'ai pas trop envie, en fait. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ok, allez. Vilco. Attends. C'est pas énorme. On va se mettre comme ça. On va lui craquer sa gueule.
on va l'affaiblir. Puis on va dévier la prochaine attaque. Voilà. Donc Vico, 41 d'armure, 31 de garde. Hein, la garde qui réduit les dégâts subis. Tant que cette unité a de l'armure, donc en gros 31% des dégâts qu'elle reçoit vont être réduits tant qu'il a de l'armure, donc c'est bon. Bon, on va dire chacun sa place quoi. Ah écoute, je savais que ça ferait réagir le chat. Et qu'il y en a qui seraient très heureux de voir Aléris dans cette position, bizarrement. Toi, non, t'es bon. Je trouvais ça marrant, en vrai aussi, hein. Pas déconner. Pauvre Aléris. N'a rien fait, hein, mais bon. Si je fais un critique, il gagne fureur. Allez, vas-y, chéré, montre-nous. Chéré. Voilà, tu vois, un critique, c'était comme ça. Oh, incroyable. Il a déjà affaiblissement. Peut-être garder ça pour autre chose. Ça va être comme ça. Bim. R2. J'en ai le temps, c'est avec l'IA ou c'est que je... Non, en fait, il y a une barre en bas. Donc, tu vois, il y a toutes les croix, les fils épées comme ça, ça veut dire que c'est un tour à un de mes joueurs. Sinon, c'est un tour par tour classique. Donc là, l'ordre de l'IA est fixé. Le mien, c'est moi qui choisis. Et à chaque fois, donc chaque personnage peut jouer une fois par tour. Donc là, par exemple, ils sont plus grisés. Par exemple, Vilcoët, si tu regardes sa barre par rapport à R2us, tu vois que sa barre est bien bleue, alors que celle de Vilcoët est bien grise. Il faut dire que j'ai déjà utilisé ce personnage là. Donc je peux utiliser chaque personnage une fois par tour. Et les ennemis jouent aussi une fois par tour, mais dans un ordre défini, alors que moi je choisis dans quel ordre. Donc c'est à dire que par exemple à la fin du tour, si j'ai deux cases qui se suivent avec la fin de tour au milieu, je peux utiliser deux fois le même personnage. Oui voilà, c'est ce que je disais, toi tu peux choisir qui joue, t'as un sacré avantage sur l'IA. Complètement. Complètement. Ça rend aussi le jeu on va dire plus abordable je pense pour le commun des mortels. Et encore là il est plus facile que dans la version bêta, hein, vraiment pour le coup la version bêta était vraiment plus vénère. Ok. C'est Forge qui prend tout, hein. Du coup il prend rien, hein, comme d'hab. Incroyable. Allez. Tu es celui-là. Et non, c'est raté. Bah c'est pas grave. Typiquement, ça c'est le symbole fin de tour. Il a joué lui ou pas? Non, il a pas joué lui. Ouais, allez, hein.
attaque. Le piège à loup. Il prépare son attaque. Allez. Boum. Puis voilà, on va attendre, hein, fin du tour. Nouveau round commence. Alors. Qu'est-ce qu'il va jouer? Lui, il est encore loin lui. Hein. Je vais attaquer que celui-là, Erdosus. Erdosus, on va te mettre ailleurs, c'est pas grave. On va se mettre là. Tu vas nous faire un petit tourbillon toxique là. Boum. Et puis tu vas rester là. Ensuite, c'est à qui? C'est à lui. On va essayer de flaguer celui-là, du coup. Chéré, tu nous fais cette fois. Je compte sur toi, hein. J'ai tout misé sur toi, là. Incroyable, il va y arriver. Tu le captures? 51? Non. On va pas risquer, hein. Trop dangereux, trop dangereux. Voilà, cher le berserker, tout en finesse. Du coup, on va se mettre par là. Ensuite, celui-là. Ouais. Quoique, en fait, j'ai pas besoin de faire ça. C'est pareil. Sinon, t'as une seule attaque, c'est ça. Soit tu utilises les ressources de zone jaune. Ouais, c'est ça. Le zone jaune, c'est des points de bravoure ou qui peuvent me permettre de faire des points de compétence. Globalement, ouais, t'as une seule attaque de base standard que tu définis avec ton équipement. Et après, tu peux dépenser des points en plus pour. Utiliser des compétences. Globalement, d'ailleurs, il y en a une que j'aimerais bien utiliser avec Vilco là, qui va me permettre de récupérer plein de points, plein de losanges. C'est la compétence du capitaine. Tous les mecs qui sont autour là permettent de récupérer, des petits des points de bravoure. Donc, si on se démerde bien là, voilà. Plus 4. Toujours sympa. Le soudeur là. Ouais, tant pis, il va m'attaquer. Hein. Il a des points à Vilco. Bam! Voilà, on va mettre déviation. Très bien. Forge, faut qu'il dégage, parce que sinon il va se prendre les dégâts de l'autre à côté. Donc on va le mettre ici pour tabasser celui-là. Il est déjà affaibli, c'est pas vraiment la peine d'en rajouter. Tiens, vas-y chéré. Ça a pas marché. Okay. On va juste se décaler là, sortir de la zone d'effet de lui là qui prépare son attaque. Il y a le soudeur qui va jouer. L'archer va pas servir à grand chose ce tour-ci. Voilà. Je vais venir attaquer Pico, c'est pas très grave. Il est costaud, il prend l'aggro, d'accord. J'ai
Pas très bien placé là, ouais. Deux attaques à 19, ça fait mal. Bam, bam. Et la fureur, ça le tue pas. Ça le tue pas, bah tant pis. On va rester à côté. Et le dernier. Il peut attaquer personne comme ça. Non, on va aller par là. Charge. Typiquement pour appuyer ce que tu disais Zen tout à l'heure, c'est les pillards là, ils ont des attaques en deux phases. Donc, ils doivent d'abord cibler avant de taper avec leur gros marteau. Donc concrètement le fait que bah, je puisse moi jouer à mes persos dans l'ordre que je veux, ça fait que finalement les mecs te touchent quasiment jamais quoi. Si tu les mets, si tu mets juste un mec au contact avec eux, bah il esquive, il tape, il se barre et fini quoi. Ah ouais, ça va, tu peux spam et massacrer tout le monde si ça monte aussi vite. Ouais. Donc boum, boum. Et bim, il a encore raté le critique, c'est pas grave. Hop, un moins. Une galvanisation, donc là ça veut dire que mes unités auront considérablement les dégâts qu'elles infligent, je crois que c'est plus 50. Là, c'est ça. Au bout d'un moment, là, on est tellement en train de gagner que. Tac. Allez, un petit 17 là. Ouf. J'ai plus de points de compétence, de bravo, c'est dommage. Oh, ça va se passer, vas-y, Chester. Tu peux te prendre ou pas? Ouais, pas parfait. Ouais, bon, vas-y, vas-y. Coup de lance en plus, voilà. Impeccable. Et donc il y a encore un mec à buter là-haut. Envoyer une forge. Il y a combien? 4 points de vie, ça va aller. Hop là! Ok, il n'y a plus que lui. On va mettre Vilco au contact. Un nouveau streamer, Stéria, ouais, en effet. En effet. Et hop. Chaise, voilà. Assez tranquille, finalement. Assez tranquille. Un peu de thunes, on prend un manuel d'anatomie. Ok, pourquoi pas. Du sel, ça c'est très bien parce que j'en manquais, j'avais oublié d'en acheter, je crois, en partant de la ville tout à l'heure. Des mineurs parfaits, du cuir parfait. Et je dois juste réparer un peu mon matos, mais bon, on va redescendre lui chercher le. Chercher ça, donc c'est pas très grave. Je peux redescendre par là?